Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi, toi Jésus, oh il n'y a que toi, toi Jésus, il n'y a que toi Seigneur, oh il n'y a que toi, toi Seigneur. Que toi, toi Seigneur, sois le bobélé, oh Yahweh, bobélé, oh Yahweh, sois le bobélé, oh bélé, oh Yahweh, bobélé. Seigneur, nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91. Psaume 91, nous lisons la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien.
ce que l'Éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton oui, avec ton Dieu. Que ton nom soit exalté, notre Père, nous te disons merci. Merci pour cette grâce, merci pour cet amour, mon Dieu, merci pour ce privilège de pouvoir nous tenir encore dans ces lieux, assemblés à ton nom, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec autant d'allégresse, autant d'amour pour ton nom, pour ta gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, désirant de tout notre cœur, désirant vraiment tout notre cœur que tu sois vraiment élevé, Seigneur, que tu sois glorifié davantage pour tes hauts faits, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie pour l'homme, pour l'humanité, Seigneur. Mon Dieu, je te remercie, Père. Louange et honneur à toi, toi qui es l'auteur de notre salut, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, toi qui es l'auteur de notre délivrance, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, oh que ton nom soit exalté. Merci pour chaque cantique qui a été chanté encore aujourd'hui, Père. Je pense, j'ai prié aussi, Père, pour tout ton peuple qui est partout, Père Tout-Puissant, dans différents endroits, qui soupire après toi, qui désire vraiment connaître ta volonté encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, en ces jours où nous sommes, Père. Mais tu es le Dieu qui ne nous a pas laissés seuls. Toi, sois béni, Père Saint-Dieu, parce que tu continues à pouvoir nous conduire encore, nous parler, Seigneur, et tu nous as tellement, tu as aussi montré, Père Saint-Dieu, que tu ne nous abandonneras jamais, Père, mais seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, Père. Sois donc glorifié pour ta fidélité et ta beauté à toi, à notre endroit, bien-aimé, Père Tout-Puissant, Dieu, pour la lumière qui nous éclaire encore dans ces temps où nous sommes. Merci vraiment de nous avoir ramenés, de nous ramener encore à toi pour pouvoir te servir, Père. Merci pour chaque cantique, merci aussi pour chaque prière, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Merci pour ces enfants qui chantent pour ta gloire. Je prie pour eux, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu le protèges, que tu le soutiennes, que ses ailes ne puissent pas tarir, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, mais que ça remonte d'abord davantage, mon roi, que ton peuple ait la joie de pouvoir te chanter, te louer, Père, et te servir, Père. Merci encore pour cette soirée, mon bien-aimé. Sois avec nous, mon sauveur, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, il est bon. Amen. Il est merveilleux pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Nous sommes le peuple de Dieu et nous le remercions de l'être. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne cesserons de glorifier notre Dieu pour toutes ses merveilles et la grâce que nous avons, surtout de pouvoir réaliser ce que notre Dieu et notre Sauveur a fait pour nous, pour que nous soyons rassurés, effectivement, aussi pour notre destination et l'endroit, afin que tous ceux qui ont cru au Seigneur puissent marcher avec assurance et certitude. C'est aussi la raison pour laquelle il a fait ces dons merveilleux, qui est donc le don de la foi, comme la Bible nous l'a dit, que la foi, elle vient de ce qu'on entend, donc qui est donc la parole de notre Dieu. Et cela nous a été donné pour que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions persévérer et aussi avoir effectivement le salut et croire effectivement les choses que notre Dieu nous a dit, et sans que nous puissions avoir les désirs de pouvoir voir d'abord ces choses, mais d'avoir confiance en celui qui nous les a déclarées. Oh, il est toujours Dieu et il est toujours merveilleux. Et ce qui est merveilleux encore, c'est que jamais il n'a abandonné le troupeau de son pâturage. Quand ce temps arrivait, même la colère est montée. Je l'aime beaucoup, hein. C'est extraordinaire. Sa colère est montée. Nous avons un bébé, c'est vrai, je sais. Sa colère est montée jusqu'à sentir qu'effectivement, que je n'en peux plus. C'est un peuple au cou raide. Il est toujours en train de murmurer. Je ne peux supporter marcher avec ce peuple. Mais son bras lui vient donc en aide alors qu'il voulait détruire effectivement aussi. C'est à ce moment-là aussi que s'est attribué la miséricorde de Dieu, s'est donc manifestée. C'est ainsi que Moïse se leva et parla.
Il dit, que diront donc les autres nations? Toi dont le nom est tellement si grand, tu as démontré qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, qu'il n'y a aucune puissance qui peut égaler à ta puissance. Tu as fait sortir ton peuple sans armée. Les rois de la terre se sont inclinés devant toi. Tu es le seul maître. Cet homme savait adorer Dieu. Il savait comment parler à Dieu. Ah, que Dieu nous aide. Qu'il soit béni pour tous les bébés qu'il nous donne. Ah oui, cette année, c'est une année particulière et nous en sommes témoins. C'est vrai. Une année que Dieu nous a donnée, où nous pouvons que nous réjouir et de voir la bonté de l'Éternel, notre Dieu et son amour. Et Dieu nous a accordé la grâce encore d'avoir un bébé ici dans la famille de notre frère Vincenzo et notre sœur Rebecca Ganji, effectivement. Et c'est jour, aujourd'hui, ils ont donc cette joie de venir avec leur bébé. J'ai regardé la sœur, j'ai dit, mais tu n'as pas de douleur. Non, mais parce que il ne pouvait pas vouloir que leur enfant puisse arriver à pouvoir être à l'extérieur sans qu'on ait prié pour cet enfant. Ça, c'est une reconnaissance aussi, l'amour de voir la confiance que le parent est effectivement à l'Éternel. Mon frère Enzo et ma sœur Rebecca, vous pouvez avancer. C'est comme la maman de Moïse, hein, quand il a entendu ses décrets, effectivement, il n'a pas eu peur, en fait, de ce que Pharaon et ses gardes, effectivement, pouvaient arriver à pouvoir faire, mais ils ont remis cet enfant entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, leur a donné une bénédiction. Je ne sais pas si vous avez eu à pouvoir lire cela, vous pouvez voir que la maman a tout abandonné entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu lui a prouvé qu'il avait fait un bon choix. Parce que tous les autres qui pouvaient, c'est moi qui après, les enfants sont tués. Mais là, il a dit que cet enfant ici, comme cela m'a été remis entre mes mains, je vais te prouver aussi qu'effectivement que je suis le Dieu qui pourvoit et qui garde et qui bénit. Vous savez ce que Dieu a fait d'elle? Il a fait que la fille de Pharaon puisse arriver à pouvoir prendre cet enfant dans le panier que vous voyez qui flottait, effectivement, que les crocodiles pouvaient arriver à pouvoir manger ou faire ceci, cela. Mais aucun crocodile ne pouvait s'approcher. Aucun serpent ne pouvait s'approcher de cela. C'est Dieu qui veillait seulement. Et voilà qu'effectivement, qu'arrivait à ce moment-là, la fille de Pharaon, pas la fille de quelqu'un d'autre, mais la fille de Pharaon, c'est lui qui avait pris les décrets de pouvoir tuer tous les enfants, la fille de Pharaon prend cet enfant. Et dans ses berceaux, effectivement, il va avec dans le palais, là, le palais d'où les décrets étaient sortis, que tous les enfants juifs qu'on devait tuer, dans le palais, à cause de la voix de Jochebed. Et voilà, Dieu montre à Jochebed, mais toi qui as eu confiance en moi, tu m'as confié ton bébé, je le garde et je vais te montrer aussi. Il dit, toi qui es la maman, tu voulais avoir ton enfant, tu voulais le garder, eh bien je te le redonne. C'est comme ça que la fille de Pharaon a cherché la maman. On a trouvé Jochebed. Jochebed pouvait allaiter son bébé et on lui payait de l'argent pour cela. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous nos pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur m'a racheté, par son sang il m'a lavé. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint. Ah, 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 frères et sœurs, nous avons des beaux bébés. Ah non, 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 non. Non, elle est vraiment jolie. Non, Dieu nous a bénis cette année-ci. Tous les bébés sont jolis. Ah, ça, c'est... Moi, je suis heureux. Hein. J'ai tous les bébés dans ma main. Que Dieu soit béni. Elle s'appelle Zoé, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni.
Tendre Père et précieux Sauveur, c'est vrai que tout ce que tu fais est bon. Tu as vu les combats de mon frère, les combats de ma soeur, malgré les difficultés qu'ils traversent, Seigneur Jésus, et se tient dans ta maison pour chanter ta gloire. Toi, tu es le Dieu qui n'oublie personne. Mon âme te loue pour ce que tu fais, Seigneur, et la joie que tu as déposée aussi dans la maison de mon frère et de ma soeur, ce bébé aussi le notre Père. Tu nous as vraiment béni, mon roi, et nous te remercions, Père. Oh Dieu, comme nous l'avons aussi entendu, c'est que Yokebed a eu à pouvoir faire, mon bénémoine, Père du Saint. Cet enfant, nous te le remettons entre tes mains. Ses parents sont venus, je ne suis qu'un homme, mais c'est vers toi, Père. Ils n'ont pas trouvé un autre endroit tellement plus sécurisant, où l'enfant peut être bien protégé, où on peut voir comme l'avons entendu dans les psaumes au chapitre 91, mon bénémoine Père Dieu. Tu es cet refuge, mon Père Dieu. Cette forteresse, mon bénémoine Père Tibissant, où cet enfant est placé, Seigneur. C'est entre tes mains que les parents sont venus le déposer pour que toute sa vie entière, mon bénémoine Père Saint Dieu, tu sois la lumière qui l'a conduit, mon bénémoine Père Saint Dieu. Tu sois le Dieu qui la protège, mon bénémoine Père Tibissant, et qui pourvoit aussi, Père Saint Dieu, pour qu'elle soit en bonne santé, mon bénémoine Père Dieu. Peu importe, même si la maladie frappait, Seigneur, la guérison, tu lui l'as accordée, Seigneur. Sois béni, Père Saint-Dieu. Bénis les papas, bénis la maman, bénis mes Pères Tibissants. Qu'ils soient vraiment en paix et consolés, bénis mes Pères Tibissants. Que cet enfant soit la consolation dans leur maison, Père. Qu'ils soient vraiment heureux, que la paix soit, bénis mes Pères Tibissants. La joie, l'allégresse, mon bénis mes Pères, oh Dieu. Pouvoir aussi pour tout le besoin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, financier, matériel, dont nous aurons tellement besoin pour élever cet enfant, mon bénis mes Pères. Je te remercie pour cela. Sois béni et glorifié, car je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, et le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous restons donc debout pour lire dans le livre, oui, livre de Tite au chapitre 1. Voilà, c'est... Chapitre 2, pardon. Tite au chapitre 2. Le verset 1, il nous dit « Pour toi donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. » Notre Père et notre Dieu nous réjouit le cœur parce que nous voyons combien ta mère, elle est puissante et agissante encore dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te remercions parce que la manière dont nous avançons avec toi, tu nous éclaires encore davantage et afin qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute en quoi que ce soit pour ce peuple que tu te choisis toi-même. Sois béni encore pour cette soirée, ce moment que tu nous donnes, Père, puisses-tu vraiment nous parler combien nous sommes vraiment dans la joie. Je suis heureux d'être dans ta maison à toi, Père Saint-Dieu, comme David voulait dire que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nous y sommes heureux, Père, et sois béni et glorifié, car j'étais ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la parole que cet homme de Dieu exprime en parlant. Après autant de temps que nous avons pu voir, effectivement, comment l'Évangile a été donc prêché. Et là, il arrive à un moment où il exprime cette parole, et lorsqu'il s'adressait à cela dans la contrée, et parce que c'était adressé à tout le monde, mais ici, certainement, c'est vrai qu'il est métite, parce que c'est l'enfant que le Seigneur a conduit à ce qu'il puisse amener à la parole, qu'il puisse aussi encadrer aussi, ainsi de suite. Alors, il lui exprimait effectivement les désirs de son cœur, pour qu'il comprenne effectivement quelle est donc la volonté, ce que Dieu désire, et comment il faut arriver à pouvoir plaire au Seigneur notre Dieu, et comme lui-même l'apôtre Paul l'avait dit aussi, parce que c'était important, cela dit, mais si moi, Paul, j'ai plaisé encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Et ça, c'est quelque chose que tout un chacun de nous, nous devons être armés de cela, parce que ce cheminement, ce chemin dans lequel nous avons été placés, c'est un chemin solitaire, parce qu'il nous est recommandé à tous d'avoir une communion personnelle
personnel avec le Seigneur qui nous a appelés. Et ça, c'est vraiment important. Quand nous n'avons pas de communion aussi personnelle, ah ben nous avons des difficultés de pouvoir y voir, pouvoir marcher, parce que il a toujours eu à pouvoir dire que mes brebis entendent ma voix et ne suivent pas la voix des étrangers. Que Dieu nous aide. Alors, il insiste sur ce point-là, comme nous venons de lire, dit, pour toi donc, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Peu importe l'influence que tu peux avoir, que les gens, peut-être tes amis ou bien ta famille ou tes neveux, tes oncles, peu importe ce qui peut être effectivement ton mari ou ta femme, effectivement, donc, peu importe cela effectivement qu'on peut, parce que l'influence viendra toujours. C'est pour ça que c'est sûr et certain, et tout être humain sur cette terre est influençable. Mais personne ne peut me dire, ah non, je suis du béton, et je ne suis pas, on ne peut pas m'influencer. Non, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va vous influencer. Donc, ainsi, quand on est dans cette position, c'est parce que la chair est ainsi, en fait. Elle a besoin de pouvoir avoir un appui, en fait, dans la prise des décisions d'une certaine manière ou d'une autre. Mais le Seigneur nous instruit de ce que nous puissions avoir confiance dans celui dont on sait, on connaît aussi la capacité de pouvoir gérer les choses effectivement dans notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'effectivement que demain vous dites, ah maintenant on ne va pas demander des conseils. Non, les Saintes Écritures ne le dit pas comme ça, hein, frère, parce que souvent ce qui est problématique, c'est que les gens, quand on dit quelque chose, c'est toujours à l'extrême. Ah ben oui. Et alors quand on va à l'extrême, on est là, on se conduit, dit mais je ne veux rien demander à personne, je vais simplement moi me conduire comme ça parce que Dieu m'a dit, je vais voir. Et puis toujours, parce que Dieu ne peut jamais, jamais faire quelque chose qui est contraire à sa parole. C'est pour ça qu'on doit toujours être équilibré. Ce qui nous pousse parfois à prendre des décisions comme ça, c'est l'orgueil en fait. Je n'ai besoin de personne. Qu'on voit quand même que je suis spirituel, je consulte que Dieu. Mais Dieu n'a pas dit comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit balancé. Alors, il fait ça. Il est absolument important que nous puissions demeurer dans la saine doctrine. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir nous dire, peu importe même si moi-même mes pensées m'influencent. Je dois toujours, moi-même, c'est pour ça que le Seigneur nous accorde la grâce, effectivement, et quand on parle, effectivement, qu'il faut mourir en soi-même, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est comme des discours qu'on vous fait, mais aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu ne pourras jamais servir Dieu. Parce qu'il y aura toujours un combat avec ce que toi, tu es ta nature charnelle, effectivement, par rapport aux choses spirituelles. Donc, ta nature à toi combattra toujours parce que elle va toujours interpréter les choses de Dieu en fonction de ta façon de voir. Peu importe comment on peut te le dire. Mais parce que là, effectivement, il dit, mais c'est pour ça qu'il parle effectivement que si nous sommes morts avec lui, il dit qu'il faut que la mort soit constatée. Alors, nous vivons aussi avec lui. Donc, c'est lui qui est mort et ressuscité. Donc, nous ressuscitons avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous marcherons en nouveauté de vie. Je ne sais pas si on comprend cela, effectivement, en nouveauté de vie. C'est-à-dire que on a une nouvelle vie, une façon de pouvoir penser, de concevoir les choses, ce qui est devenu tout à fait différent. On n'est plus dépendant de nous-mêmes, on est dépendant effectivement de la vie qui nous conduit. Pourquoi nous avons des difficultés effectivement pour aussi entrer dans des choses spirituelles nous-mêmes? Bien qu'on peut dire, bah, je veux Seigneur, je veux, mais en fait, mais ça ne va pas tellement plus loin. Pour quelle raison? Mais les conflits, c'est ta nature à toi. Vous savez, je crois qu'il y a un bon bout de temps de ça que je vous l'ai dit, si je crois que j'ai dit, il dit, ce n'est pas le frère qui est ton ennemi. Ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le voisin, non! Ton véritable ennemi, adversaire, véritable qui t'empêche d'aller de l'avant, eh bien, c'est toi-même. Bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur parlait de la mort. Toi-même, tu dois accepter de mourir.
Alors voyez-vous, c'est ces mêmes expressions qu'il a eu à pouvoir utiliser dans la langue de l'Épître, dans 2 Timothée. Il est dit effectivement dans 2 Timothée, il dit, mais d'abord ici, il dit, mais donc dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Mais plus loin, parce qu'il insiste encore, disant, mais Timothée, pour quelle raison il dit, mais parce qu'il y aura un temps où les hommes que tu vois ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc ils n'aimeront pas effectivement demeurer dans la parole de Dieu. Bien que vous pouvez l'entendre, mon frère et ma sœur, c'est déjà une grâce pour toi. Que Dieu, et ça, quand je dis, c'est la vérité. Que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir vraiment t'aligner, toi. Sans obligation, vous le savez vous-même. Votre vie à l'extérieur, par rapport à ici, c'est différent. Ah ben, c'est sûr et certain. Toutes ces choses que vous faites, effectivement, vous savez, frère, que c'est pas conforme aux saintes écritures. Vous le savez pertinemment bien. Mais la question est savoir, madame, pourquoi alors vous le savez, vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir le faire? Ne pas le faire. C'est vrai. Parce que si vous savez que ceci est bon, mais que vous ne faites pas, ce qui est bon, vous commettez l'iniquité. Pourtant, vous savez que vous ne pouvez pas disputer. Vous ne pouvez pas critiquer. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises. Vous savez, non. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous le dit. Vous voulez qu'on le lise encore? Bon, nous lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens au chapitre 13, il dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas donc la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous me suivez? Et quand j'aurai même les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. C'est pas aujourd'hui qu'on lit cette écriture. Hein? Chacun de vous ici, je crois, il le connaît même par cœur. Mais regardez maintenant, il dit maintenant, et quand bien même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, même si je peux faire le bien à un frère ou à une sœur, effectivement, ou à même aux enfants, tout de même, mais si ce n'est pas vraiment la sincérité dans mon cœur, la charité, frère, dans cet amour profond, tout ce que tu peux donner, du pain, du vin, de tout l'argent que tu peux donner, ça ne vaut absolument rien aux yeux de Dieu. Alors, si au moins nous avons un peu, quand même, un tout petit peu d'intelligence, frère, à quoi ça me servirait de pouvoir donner ceci et peut-être à faire ceci pour ceci, pour cela, alors que dans mon cœur, je ne suis pas droit. Quelle récompense je vais obtenir? Zéro. Alors, vaut mieux ne pas le faire. C'est pour ce que Dieu te dit. C'est pour ça que le Seigneur dit ceci. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais ne mélange pas les deux. Tu perds ton temps. Oh, j'ai Dieu. Tu n'arriveras jamais à rien. Vaut mieux être mauvais, ne donne rien aux frères, ne donne rien aux soeurs, pardon, ne donne rien à personne, effectivement, ne fait rien de bon. Alors continue dans cette voie-là, là, tu es dans ton ventre, ta nature à toi ne veut pas faire le bien. Alors fais le mal. Réfléchissez, frère. Mais quand tu veux faire le bien, eh bien, fais le bien. Mais fais-le au maximum. Donc là, accroche-toi, dis, alors, parce que le bien, c'est le bien. Je prends plaisir à faire le bien. Donc je l'ai fait parce que je prends plaisir à... Aïe, Seigneur, je prends plaisir à le faire. Personne ne t'oblige de m'aider à pouvoir marcher, de m'aider à pouvoir faire... Personne ne t'oblige, ma soeur, de venir à l'église. Personne. Mais quand tu viens, viens avec plaisir. Que quand tu rentres ici, on entend, on sent pas l'atmosphère lourde. On ne sent pas tellement très bien si vous êtes là. Quand on dit Alléluia, Amen. Frère, ça ne sert à rien d'être là. Je viens parce que là, quand on dit Alléluia, je suis dedans. C'est vrai, frère. Vous ne devez pas être un peu à moitié bon. Je suis là, Alléluia, mais bon, il ne me plaît pas cette personne-là. Donc, vous êtes tout un mélangé. On ne peut même pas dire Amen parce que tu n'es pas là-dedans. Mais je ne viens pas avec moitié en colère avec quelqu'un ou moitié. Non, je viens, Seigneur, j'ai tout confessé. J'ai libéré mon cœur. Seigneur, je t'en supplie parce que mon désir, c'est d'être frère et sœur. Vous savez ces choses-là. Pourquoi vous continuez dans l'autre sens? Enseignez, vous êtes enseigné. Mais vous continuez toujours dans ces mauvaises voies. Et vous dites, ah, Dieu est avec nous. Dieu ne peut pas être avec toi dans des choses qui ne sont pas conformes. Alors il dit ici, nous continuons. Il dit quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps ici pour être brûlé,
Pour quelqu'un, je me serais pas fait qu'on voit comme on dit, bon, on veut devenir des héros dans les pays, on fait ça, on va sauver cela, et puis toute la République entière va mettre à ton cercueil les drapeaux de la Belgique dessus. Et tout ça va, il est un héros parce qu'il est monté dans le feu, il a sauvé 4 enfants, il est mort, les drapeaux dessus, avec tout là, là même les chevaux qui vont, ça sert à rien. Absolument rien. Tout ce que tu as fait là n'a pas de valeur parce que de l'autre côté. Il faut que on puisse. Et Dieu nous aime parce qu'il nous montre la voie juste à pouvoir suivre. Mon grand, donne-moi mon là. La voie juste à pouvoir suivre. Parce qu'il dit, mais si toi tu persévères, merci beaucoup. Si toi tu persévères effectivement dans ce qui est juste effectivement et que tu le fais de tout ton cœur, parce que tu ne peux pas le faire, parce que pour arriver à pouvoir faire quelque chose de bien, de droit, de tout ton cœur, il faut que ton cœur soit changé. Amen, amen, amen. Sinon, ce sera toujours du fabriqué. Alors, qui peut changer ton cœur? C'est pour ça qu'il vous dit, frère, il vous parle en disant, mais frère, c'est la vérité. Il vous parle, frère, en disant, mais vous savez, je sais très bien que vous ne pouvez pas le faire. Mais regardez ce que j'ai fait pour vous. Et ça, regardez, dans le livre d'Éphésiens, je pense, on fait l'Éphésiens, puis nous revenons ici, nous continuons. Éphésiens, au chapitre 2, je crois. Chapitre 2 des Éphésiens. Il nous dit ici, il dit, vous étiez morts, verset 1, hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions donc des nombres, de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme des autres, n'est-ce pas, hein? On le croit quand même, hein? Moi je le crois, vous le croyez? Parce que mon frère, si tu ne le crois pas, je ne vois pas où se trouve bien dans ta délivrance. Parce que si toi tu te sens que tu as toujours été saint de toujours, alors il y a un problème, tu n'as pas besoin d'être ici. Ah, nous sommes ici parce que nous supplions, nous lui implorons la grâce. Nous ne sommes pas purs, mais c'est à toi que nous tournons les yeux. Parce que Seigneur, tu vois, je suis toujours faillible en tout. Aide-moi. Tous les jours, je vais être. Est-ce que vous comprenez? Il faut reconnaître d'abord cela. Alors il dit ceci, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Vous comprenez cela? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mais c'est pas vrai? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, toujours aussi. J'aime bien quand vous avez vos Bibles. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien quand je pose la question, vous répondez, je dis gloire à Dieu, ils ont la Bible en main. Parce qu'il faut que vous lisiez quand même, pour que vous puissiez voir, effectivement, c'est ce que Dieu a dit. Alors maintenant, regardez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de... Et cela ne vient pas de... C'est le don de... Qu'est-ce que vous avez fait? Que Dieu te bénisse. Non, mon frère, ma soeur, regarde. Parce que quand je te vois là, toujours, tu me regardes. Tu devrais dire, Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni. Toi, tu m'as accordé la grâce d'avoir quelque chose. Cela ne vient pas de moi. Mais c'est un don que tu m'as fait. Et pourquoi tu m'as fait ces dons-là? Est-ce que vous comprenez? Tu vois, je vais te donner. Il nous dit, mais c'est par grâce d'être sauvé, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les gens, non, la Bible, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, mon frère. Dans la rue, dans les endroits, il a quoi bouger là? Je ne critique pas, hein. Je ne critique pas, les bien, la croix rouge peut-être là, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, et ceci et cela. C'est bien pour pouvoir aider. Mais en fait, ces œuvres-là n'en profitent rien. C'est vrai que, naturellement, on vous secoue. Mais qu'est-ce que ça va faire, effectivement, pour votre âme? Même les personnes qui les font, quand ils les font, vous savez comment ils font? La Croix-Rouge a fait des donations d'autant pour ceci et cela. Mais quand Dieu te dit, quand toi tu fais un don pour quelqu'un, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, voyez-vous la différence? Il dit, ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne puisse pas. Ça, on a oublié longtemps. Ah, tu sais, ce frère-là, il était dans la difficulté, je lui ai donné 50 euros. La sœur-là, quand elle est passée, elle n'avait pas, j'ai nourri. Ou les frères ici, quand il est venu à l'assemblée, c'est nous qui avons pris soin de la personne. Mon frère, ma sœur,
Tout ce que tu as fait là, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Les félicitations des gens. Ah, tu es une bonne sœur, mais on sait qu'en fait, à l'intérieur, tu es un serpent. Oui. Parce que quand tu es de Dieu, lorsque tu poses un acte pour lui, mais frère, tu le fais pourquoi? Parce que tu aimes la personne. Tu trouves que ceci est quand même juste que je le fasse. Mais avec mon cœur, j'ai la joie de pouvoir faire. Et quand tu l'as fait, qu'est-ce que tu passes? Tu as oublié. Ah, que Dieu nous aide. Frère, les problèmes que nous avons des registres dans nos maisons. Les jours où tu as donné la semoule à tel, tu as écrit. Les poissons, ceci, la ceci, la quête que tu as fait pour tel, tel, tu l'as fait. Les jours où tu as un problème, tu ne te souviens pas! C'est moi, quand tu es venu ici, il n'y avait personne qui voulait te recevoir. C'est moi qui t'ai. Et puis c'est moi qui t'ai nourri aussi, effectivement. Pourquoi c'est dans nos registres? Et avec ça, comprenez bien, très bien et clairement, c'est pour ça que j'ai dit, frère, quand vous faites quelque chose, mais à contre-cœur, vous n'avez pas de récompense, c'est zéro. Je le répète encore très bien. Quand vous faites quelque chose à contre-cœur, venir ici à contre-cœur, parce que bon, il faut quand même que j'aille, sinon, je voulais toujours répéter, frère et sœur, si vous venez comme cela, vous ne serez pas béni. Vous allez quoi? Vous allez être lourd pour un frère, lourd pour une sœur, parce que chanter, tu ne vas pas chanter. Dire amen, tu ne vas pas dire amen, parce que tu es là, tu as alourdi le temps. Oui, parce que tu es les bastions des démons, en fait. Ah oui. Vous savez, frère et sœur, votre joie, votre allégresse, mais ça fait que l'atmosphère changea. Mais tu viens lourd là, tu es en train de grommeler comme ça, mais tu as des démons autour de toi. Nous, on n'en a pas besoin de démons ici. Nous avons besoin de ceux qui viennent avec allégresse. Il dit, je vais chanter pour Jésus. Je vais. Mais c'est vrai, frère. Autrement, que venez-vous faire? Ce n'est pas une association ici, hein, frère. On doit supplier un frère ou une sœur, ceci, viens chanter, viens. On n'a pas besoin. Même s'il faut deux. C'est de l'amour, hein. Dans la chorale, même deux. Gloire à Dieu, je viendrai, on viendra, on chantera même avec les deux. Frère, pendant le coronavirus, on en avait combien? Mais il était là tout le temps. Il n'a jamais manqué. Même deux, mais vous le savez, vous. Même deux, il était toujours alléluia. Même zèle. Frère, que Dieu nous aide. Vous vous faites trop important, mais je ne vois pas votre importance. C'est quand Dieu est important en vous que nous voyons votre importance. Mais quand vous méprisez celui qui vous rend, vous donne la valeur. Alors, Éphésiens, alors il nous dit ici, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Moi, j'ai fait plus que lui, j'ai fait plus que lui. Non, ce n'est pas une compétition. C'est une vie que nous vivons. Ce que nous sommes. Alors, il continue, il dit, car, ça j'aime beaucoup, nous sommes son ouvrage. Donc, effectivement, tu ne t'es pas fait toi-même. Ah oui. Parce que là, vous comprenez, quand on dit nous sommes son ouvrage, c'est ce que la Bible nous a fait comprendre dans des Corinthiens, chapitre 5, partie 2, mais si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous me suivez? Vous connaissez l'écriture, non? Si quelqu'un est en Christ, voyez la place, pas en dehors de Christ, mais il est en Christ, il est une nouvelle. On nous dit, les choses anciennes sont... Alors, vous savez, quand on parle de choses anciennes, je reviens, c'est ça, dans 2 Timothée au chapitre 3. Et c'est quand même pratique. Sache donc que dans les derniers temps, il y aura des temps très difficiles. Et comme il dit... C'est vrai, on a mis l'accent sur difficile, mais regardez bien, il dit, sache qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront donc, verset 2, hein, car les hommes seront égoïstes. Vous me suivez? Voici l'esprit démoniaque, en fait, qui est attaché à des gens. Est-ce que vous comprenez? Les hommes seront égoïstes. Amis de quoi?
Et ça, c'est la faiblesse de tous les hommes. Pour que tu échappes à cela, il faut la grâce de Dieu. Oh oui, mon frère, oui. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que tu regardes. Il faut que Dieu te... Parfois, on dit, mais Seigneur, pourquoi moi, une telle épreuve aussi difficile comme ça? Oui, c'est vrai, c'est parce que vous posez la question, on se pose la question, pourquoi? Et puis, tu regardes, mais en fait, il faut que tu passes par là pour... Parce que tu dis que c'est du papier, mais il faut que tu réalises qu'il y a vraiment du papier. C'est parce que c'est toi qui donnes la valeur à ce papier. C'est vrai. Frères et sœurs, moi je vais vous poser la question. Combien de comptes en banque Élie en avait? Même pas un compte en banque. Combien de pains il avait? Même pas. Je n'ai pas dit qu'il pourrait toucher vos comptes, s'il vous plaît. Il faut comprendre l'équilibre. Hein? Bon. Il n'en avait même pas un. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas les comptes en banque ni de l'argent pouvait manger? Que Dieu te bénisse. Il y a une parole merveilleuse que le Seigneur nous a dit, son peuple. Je ne t'abandonnerai. Je ne te délaisserai point. C'est avec assurance que le Seigneur, notre Dieu, est celui qui pourvoit pour nos besoins. Et puis quand il est venu de la Nouvelle Alliance, effectivement, il dit, mais je vous t'ai dit, ne t'inquiète de rien. Vous avez oublié encore? Il dit, ne t'inquiète de rien. Il dit, mais considère les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Il n'a pas dit qu'ils soient des chômeurs, hein. Il n'a pas dit ça. Mais on comprend ce qu'il veut nous dire. Que notre préoccupation n'est pas de pouvoir amasser. Mais d'abord, ce qui est plus important pour lui, il faut chercher le royaume. Ah, ça non, frère, on l'écoute, on aime bien le répéter, mais on ne le fait pas. Et Dieu te bénisse, ma sœur. On ne le fait pas? Si c'était le royaume de Dieu qu'on cherchait. Vous savez comment on serait ici heureux? Quand on entre ici, on est tellement heureux. C'est pas que... Le Seigneur n'a pas dit que vous n'allez pas travailler. Mais bien sûr, mais le travail, la recherche d'argent ne serait pas la chose qui est préoccupante dans l'esprit. Ça nous préoccupe tous, mais c'est ça qui nous détruit aussi. Mais il te l'a dit. Il dit, voici, je prends soin de toi. Tu sauves les temps. Je prends soin de toi dans tout le moindre détail dans ta propre vie. Tu veux me dire quoi? Les vêtements, comment je vais acheter les vêtements? Considérez les listes des choses. Alors, mais je dis, comment je vais manger, m'être nourri, effectivement? Je te pose la question. Je vous ai posé la question. Je dis, mais quel est le compte en banque qu'Élie avait? Et comment mangeait-il pendant qu'il y avait la sécheresse là-bas? Et comment mangeait-il? Et comment il buvait-il? Hein? Vous connaissez ça? Ce sont les oiseaux, les corbeaux, qui lui apportaient à manger. Et quand Dieu a dit, bon, maintenant, je t'ai prouvé que je peux te nourrir même avec par les oiseaux, Dieu veut maintenant te confirmer que je peux encore te nourrir encore par les hommes. Il a pris, il a envoyé chez la veuve. Vous vous souvenez, on ne va pas rentrer dedans, mais parce que le temps vient. Vous vous souvenez, frères et sœurs, c'est pour que vous ne soyez pas des comédiens ici, mais que vous soyez des véritables fils et filles de Dieu. Quand vous vous mettez à genoux, tu dis, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Peu importe la difficulté que j'ai, mais je sais que je sortirai de ceci. Frère, si vous n'avez pas cette foi-là, ça ne sert à rien. Vous grandissez, mais dans l'incrédulité. Rien ne va se passer, bien sûr, effectivement. Or, Dieu veut que nous puissions... Vous avez entendu les psaumes, non? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose, donc il se repose. Il n'a pas de tracas dans l'esprit, en fait, parce qu'il a trouvé ce refuge, en fait. C'était magnifique. Puis, il nous montre qu'effectivement, que même les vêtements dans tout le moindre détail... Pensez-vous que, frère et sœur, vous me permettrez un tout petit peu de temps. Pensez-vous, vous, que frère, parce que vous avez l'impression qu'on veut vous priver d'être belle, d'être beau, d'être bien habillé, d'être, je ne sais pas moi quoi. Vous pensez vraiment que c'est le but que Dieu a eu à pouvoir. Mais parce que, je vais vous poser la question. Et la beauté en soi, elle vient de qui? Est-ce que vous êtes sûr quand vous répondez? Parce que les gens, parfois, comme ça, ils disent que la beauté est du diable. Non, non, parce que bon, je pose la question. Je dis, mais la beauté, elle vient de qui? Vous êtes sûr et certain? Amen, amen. Que c'est Dieu qui donne la beauté. Et
Vous savez, quand je regarde dans les Saintes Écritures, bon, vous me comprenez un peu bien. Hein? Ou vous me suivez? Amen. Bon, c'est bon, je sais que ça va se réveiller. Ah, il est toujours contraire. Non, je ne suis pas contraire aux gens. Je vais vous montrer, mais c'est biblique. Oui. Esther. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère Emmanuel. Esther. Esther. Alors, quand on parle d'Esther, on a vu des filles, effectivement, qui sont belles d'une certaine manière ou d'une autre, parce que aujourd'hui, c'est là que je voulais que vous puissiez comprendre que les diables façonnent les siens à sa manière. Maintenant, vous comprenez que cette autre beauté-là ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Quand on va se pactiliser, patata patasi, vous savez, j'étais étonné. Moi, je suis comme ça, un vieux, comme on dit. Et lui, il ne connaît rien autrement. J'étais étonné. J'ai vu une vidéo, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais pas très bien. Je regardais une femme, son visage. Alors, parce que et puis, que Dieu ait pitié. Dieu t'a fait belle. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu veux encore davantage? Il a acheté, ne vous fâchez pas, hein? Là-bas, parce que je sais que quand on rentre un peu là-bas, et vous qui achetez des choses pour vos enfants, vous devenez nerveux. Ne tuez pas vos enfants. Montrez-les la voie qui est juste. Aimez-le pour protéger vos enfants, effectivement, de cet esprit. Parce que quand on prend les choses qui sont à l'ennemi, vous acceptez qu'il s'introduise avec son esprit là. Ce que vous devez comprendre. Bon. Vous connaissez Achan. Quand Dieu a interdit quelque chose, le diable, il sait qu'il a l'œil là-dessus. Il dit, ne touchez pas à quoi que ce soit d'interdit dans cet endroit-là. Et les yeux d'Achan ont vu le manteau de Shinéa et les lingots. Quand il a pris ça, le peuple d'Israël avait la puissance de pouvoir combattre l'ennemi. Quand il a pris ça, qu'il est rentré dans le camp, on sort la défaite. Josué dit, c'est pas possible. Nous nous sommes tous sanctifiés. Demeurer dans ce qui est de Dieu. Comment ça se fait qu'il y a la défaite parmi nous? C'est pas normal. Parce que Dieu a dit que vous sortez, vous allez vaincre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit, mais il faut qu'on puisse maintenant, je vais consulter l'Éternel. Et il te dit, mais Josué, tu te fais souffrir pour rien. Parce que il y a donc ce qu'on appelle l'interdit dans le camp. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas t'y avoir interdit parce que tu nous as dit de ne pas toucher, on n'a pas touché. Comment peut-il y avoir interdit? On a posé des questions. Non, 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 je n'ai rien fait, moi je n'ai pas touché. Non, 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 non. Personne ne voulait accepter que, bon, de toute façon, mais il y en avait un. C'était à Caen. Il a pris le manteau chénéar et le lingot. Il est allé cacher. Et vous vous souvenez, non? Bon, il croit que Dieu ne voit pas, il est aveugle, que les hommes, tout ça. Non, quand même, avant même d'avoir la pensée, il le savait. Donc, il a pris le manteau et le lingot, il l'a caché en dessous. Il dit, mais qui est? Ah, non, personne. Et puis, il s'est taisé, effectivement. Le pauvre, il a fait tuer toute sa famille. Et c'est comme cela qu'on a regardé. Il pas, mais non, non, non. Puis, le Seigneur, il continue. Et puis, on arrive là, il dit, non, non, voici la personne. Il dit, c'est pas possible. Oui, c'était à temps. Il dit, Achan, dis-nous la vérité, non la vérité. Oui, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai pris quand même, j'ai vu les lingots, j'ai mis les manteaux chez les. Il dit, mais c'est interdit par Dieu. Donc par là, quand il a pris cela, le diable, il a eu le droit d'entrer. Pourquoi y a-t-il beaucoup de prostituées aujourd'hui? Mais regardez, vous qui regardez les choses de ceci. Aujourd'hui, les femmes sont... Bref. Pourquoi y a-t-elle cette montée de prostitution? Je disais tout à l'heure. Le produit que vous allez chercher, le mettez là peut-être, bon, le normal, vous pouvez prendre le normal, il n'y a pas de problème. Mais là, quand on prend avec les bosses là, comme ça, on commence comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ça. Il est tout noir. Ça, c'est Dieu a fait de toi. Vous savez qu'il y a la beauté dans toutes les races. Vous ne vous dites pas amen, sincèrement. Parce que vous visez autre chose, mais c'est votre problème. Dieu ne fait jamais d'erreur. Bref, je ne vais pas rentrer dedans. Et il a pris... Moi, je regardais. Hein. Vous me regardez, supportez-moi encore un peu. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. Hein. Parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Vous ne pouvez pas dire, oh, je ne savais pas. Mais je vous dis la vérité. N'allez pas sur ce chemin-là.
allez sur le chemin de la sainteté, vous rencontrerez Dieu. Et la demoiselle, la dame en question, piqui, je vois la peau qui avait problème. Nanana. Il a commencé d'avoir avec les petits peaux. La peau, c'est la peau, mais le peau, c'est les trucs. Vous comprenez pourquoi on n'a pas confondre, hein? Donc, elle avait la peau ici, donc les petites boîtes. Et puis, sur sa peau, et la peau de la peau. Alors, il prend la petite brosse et met dans sa peau, là. Hein? Et puis, il place maintenant sur sa peau ici. Alors, sa peau était normalement une belle peau, mais elle a ajouté tellement de couches qu'elle est devenue plus claire que ça. Jamais on n'a vu. Et j'étais en train de rêver, j'ai dit, Seigneur, je rêve ou quoi? Je voyais comment la demoiselle de chez Chandon, à partir d'ici, elle fait d'abord poupou. Mais qu'est-ce qui m'a touché? C'est la quantité de couleurs de peau qu'elle avait. Les couleurs qu'elle mettait là-bas, ici, c'est devenu grand. Mais maintenant, son visage, il est tellement rempli de couleurs. Et puis, à cela, maintenant, je sais que les gens me suivent, à cela, maintenant, il a ajouté encore. Et puis, papa, et puis, papa, et puis après, quand elle a tout fait, elle fait comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'avais entendu parler, mais maintenant, je vois moi-même. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, les démons sont là, maintenant, sur le chemin. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous garde dans la voie. Nous sommes le peuple de Dieu. Marchons comme la part de nous demain. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, il s'agit de ton peuple. Tu as dit que ton peuple à toi sera irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mon roi. Mais il doit être attaché à toi, Père Saint-Dieu. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. C'est vrai, ta parole à toi est la vérité, mon béni, Père Saint-Dieu. Aide-nous, parce que nous avons vraiment besoin que nos enfants, que nous-mêmes, que partout où nous passons, mon béni, Père Saint-Dieu, que cette odeur de Christ, mon roi, le parfum de Christ, mon roi, soit dégagé, Père Dieu. Ce sont tes enfants, toi, qui vont te faire honorer encore davantage. C'est là que tu veux vraiment que le monde voit et que tu aies à pouvoir dominer et tu aies la victoire, Père Saint-Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Puisses-tu vraiment les aider, puisses-tu vraiment nous aider, nous assister en toutes choses, parce que nous voulons être conformes à ta volonté, Père. Pardonne-nous, et soutiens-nous, et fortifie-nous encore davantage, et aide-nous encore, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, parce que nous sommes le troupeau de ton pâturage que ta main puissante conduit. Ton peuple à toi, Père Saint, partout où il se trouve, Seigneur, c'est un temps où il doit se réveiller, bien-aimé, Père Dieu, pour s'accrocher davantage à toi, à pouvoir vraiment avoir ses ailes pour toi, mon bien-aimé Père Dieu, à pouvoir vraiment t'adorer, chercher ta face de tout son cœur, mon bien-aimé Père Tibissant, de toute son âme, de toute sa force, mon bien-aimé Père Tibissant. Pourquoi il y ait vraiment ta visitation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que nous puissions être en communion avec toi. Oh, que c'est tellement si beau, Seigneur. Oh Dieu, quand ces moments viennent, que nous nous retrouvons ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, étant chacun de nous consacré à cela, Père Dieu, et quand nous te prions, quand nous chantons les chants de Sion, Seigneur, tu nous visites encore davantage. Merci. Merci parce que tu les fais-les encore davantage, mon roi, que notre âme soit vraiment touchée, changée et transformée, bien aimé, Père Tibissant, et soupirer simplement, Père Saint-Dieu, à être des chrétiens, des chrétiennes, mon roi, des fils et des filles de Dieu, mon bien aimé, Père Saint-Dieu. Notre désir est d'être comme toi, tu veux de nous, Père Dieu. Nous ne sommes pas obligés, Père Saint-Dieu. Nous voulons prendre plaisir à pouvoir accomplir, à aimer, mon frère, à aimer, ma soeur, bien aimé, Père Dieu, à aimer, peu importe sa situation, mais à pouvoir l'aimer, Seigneur, à lui faire du bien, à pouvoir aimer. Être dans la joie de la voir, de s'asseoir à côté de lui. Oui, Père Saint-Dieu, nous t'implorons la grâce, mon roi. Oh Dieu, béni-moi, Saint-Dieu, aide-nous encore davantage à pouvoir marcher avec toi et à être éclairé. Sois béni et sois glorifié encore pour ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Bien, mon grand. Dans les bons. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. Merci. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 83. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens.
suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, je voici, je suis à toi, oui. Jusqu'au bout, je veux te suivre. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire était toi qui périt. C'est un chemin solitaire, difficile. Sweet.